Salut tout le monde, j'ai fait mes recherches, j'ai mis un peu de temps pour vous pondre cette dernière vidéo. Alors j'ai arpenté les rues de Québec et de Montréal. Contrairement à ce qu'on peut croire, Québec comme Montréal n'est pas si accessible que ça. Avant, si elle avait été un peu en avance par rapport à l'Europe ou à la France, c'est un petit peu maintenant le contraire. C'est-à-dire qu'ils ont laissé tous les accès, ou en tout cas tous les endroits accessibles un peu en l'état. Ça n'a pas été refait à neuf, donc ça a beaucoup vieilli. Et vous verrez, il y a plein de photos avec des trottoirs, avec des magasins qui ne sont pas du tout accessibles, avec des rampes. C'est un peu galère, enfin un peu beaucoup galère pour une personne en fauteuil roulant. Niveau du métro, il y a sur tout le système du métro deux ou trois entrées portes de métro qui sont pourvues d'un ascenseur. Les autres, il n'y a rien du tout. Au niveau des bus, c'est accessible, mais il y en a un toutes les heures. Donc, écoutez, pour Québec comme pour Montréal, armez-vous de patience parce qu'il faut quand même beaucoup de patience et quand même un petit peu de force dans les bras, parce qu'il vous faudra beaucoup rouler, ou sinon si vous avez une voiture que vous pouvez la louer. Mais en tout cas, vous verrez quand même des belles images de tout ce que j'ai vu dans ces deux villes, et on se dit à bientôt. Le prochain épisode, ce sera à l'aéroport pour rembarquer et direction Barcelone. À toutes, à bientôt, et je remercie à tous de m'avoir suivi pendant ces 15 jours. Gros bisous.